Aucune spécialité médicale ne conserve un organe mort dans l'organisme, sauf en dentisterie, où on conserve une dent morte, une dent dévitalisée. Quand un patient a un orteil gangréné, il faut l'amputer, car il est infesté de bactéries. Il est toxique et tuera ce patient. Si vous pensez pouvoir vivre avec une dent toxique et infectée sans conséquences systémiques, c'est-à-dire sans conséquences sur l'ensemble du corps, je crois que vous voulerez sérieusement. Voilà ce que le docteur David Minkoff, expert en soins de santé alternatifs, a dit. Chaque dent est située sur un méridien d'acupuncture et chaque méridien est lié à certains organes et tissus, ainsi qu'à des groupes vertébraux et musculaires. Donc très souvent, on constate un lien direct entre la dent infectée et le problème sur l'organe qui est relié. Par exemple, les dents de sagesse sont liées à l'intestin grêle et au cœur. Les molaires du haut sont liés à la poitrine. Les prémolaires sont liés aux poumons et au côlon. Les canines sont liées aux yeux, ainsi qu'au foie et à la vésicule biliaire. Les quatre incisives du haut et du bas sont liées aux voies urinaires, au canal anal, aux glandes surrénales et à la pituitaire, ainsi qu'au rein. Le problème avec les abcès dentaires est qu'ils sont souvent asymptomatiques. Vous n'avez aucun symptôme ni aucune douleur. On sent rien localement, car comme on déconnecte la dent du système nerveux, le patient ne peut plus sentir la toxicité de la dent ni les tissus morts. Si vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes malade et que vous avez plusieurs dents dévitalisées, penchez-vous sur le sujet. La plupart des gens qui ont des dents dévitalisées ont une infection. Mais ils vont voir un médecin, pas parce qu'ils ont mal aux dents, ils viennent pour leur arthrose, leur fatigue chronique, leur cancer, leur maladie cardiovasculaire. Et lorsqu'on fait une radio de leurs dents dévitalisées, on voit souvent que l'os s'est rétracté en raison d'une infection chronique de la dent. La dentisterie conventionnelle pense qu'il faut sauver les dents à n'importe quel prix. Si le patient meurt, ça sera le prix d'une dent sauvée. Ils ne comprennent pas vraiment le principe que les parties mortes du corps doivent en être retirées. Les premiers travaux de recherche sur les dents dévitalisées étaient certainement ceux du docteur Weston Price, ce même dentiste qui a fait le lien entre malbouffe et mauvaise dentition quand il a fait le tour du monde pour rencontrer tous les peuples possibles afin de comprendre pourquoi certains d'entre eux avaient une mauvaise dentition et d'autres une dentition parfaite. Pour en arriver à la conclusion que c'était parce qu'ils avaient adopté un régime alimentaire dit moderne, et ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Mais le docteur Weston Price, qui a effectué 25 années de recherche sur les dents dévitalisées, a constaté qu'elles pouvaient causer presque toutes les maladies, des maladies mentales aux maladies cardiovasculaires, en passant par l'arthrose. Quand Weston Price a commencé à faire des dévitalisations dentaires sur ses patients, il a constaté que beaucoup d'entre eux tombaient malades. Il a alors commencé ses recherches, il retirait des dents, il les stérilisait pour s'assurer qu'il n'y avait aucune bactérie, et il les glissait sous la peau d'un lapin et découvrait que le lapin développait la même maladie que ses patients auxquels appartenait la dent. Maladie cardiovasculaire, maladie rénale, arthrose, maladie neurologique. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il prenait les mêmes dents et les mettait sous la peau de 20, 30 ou 50 lapins à la suite et tous développaient les mêmes symptômes que le propriétaire de la dent. Comprenez une chose, toutes les dents dévitalisées sont infectées, sans exception. Ce n'est pas une fatalité. Maintenant que vous le savez, il faut que vous preniez rendez-vous chez un dentiste holistique. La science démontre que le traitement radiculaire, c'est-à-dire retirer la pulpe dentaire une fois qu'elle est endommagée ou malade, provoque toujours une infection. La seule différence est que certaines dents dévitalisées sont plus toxiques que d'autres. On peut se demander pourquoi un traitement radiculaire a un impact sur la santé d'une personne et pas sur une autre. La raison est que nous sommes tous sensibles aux toxicités à des niveaux différents. Comme vous le savez, certaines personnes peuvent tolérer de fumer pendant 60 ans sans symptômes apparents, alors que d'autres ont un cancer après 2 ans en tant que fumeur. Chacun réagit différemment à la toxicité. Certaines personnes peuvent supporter une dent dévitalisée sans que leur système immunitaire ne soit débordé, alors que le système immunitaire d'autres patients peut être gravement affecté par une seule dent dévitalisée. Voilà pourquoi il est important aussi de toujours chercher à renforcer son système immunitaire, car dans tous les cas, ça ne sera que toujours bénéfique pour nous. C'est comme ça qu'en retirant des dents dévitalisées, vous pouvez parfois, et souvent même, voir un cancer, un problème de dos, problème d'intestin, de la fatigue chronique ou autre, disparaître complètement. Car comme vous l'aurez compris, chaque dent est liée à l'ensemble du corps. Quand on dévitalise une dent, on coupe le flux d'énergie vers les organes qui y sont liés, ce qui les affecte obligatoirement. On ne peut pas se débarrasser d'une infection si notre système immunitaire n'a pas un accès complet à toutes les parties infectées, parce qu'on lui a retiré l'accès en retirant les vaisseaux sanguins et le système nerveux d'une dent, ce qui s'appelle
une dévitalisation. Si vous avez une dent dévitalisée et que vous êtes convaincu par les informations scientifiques sur le sujet et que vous voulez vous débarrasser de cette dent pour qu'elle n'ait plus d'impact négatif sur votre santé, vous devez trouver un dentiste holistique qui comprend ce qu'il fait, parce qu'il ne s'agit pas d'une simple extraction. L'extraction de la dent dévitalisée est seulement la première étape. Ensuite, il faut supprimer les mauvaises bactéries dans cette zone, car la mâchoire est un os comparable à une éponge dans laquelle pénètrent les toxines. L'os de la mâchoire doit lui aussi être nettoyé et traité. Apparemment, l'ozone injectée avec une aiguille très fine serait l'idéal pour désinfecter les zones qui en ont besoin. Ensuite, pour remplacer une dent qui a été extraite, les implants en zircone seraient le mieux. Évitez tout implant en métal ou titane qui court-circuite l'électricité qui passe de cet endroit où il y avait la dent à l'organe relié. C'est comme si vous mettiez un métal dans une prise électrique. Si votre dentiste vous dit qu'il doit dévitaliser votre dent, que pouvez-vous faire? D'abord, si la dent doit être retirée, veillez à consulter un dentiste holistique qui peut supprimer l'infection et le ligament parodontal correctement. Ensuite, une fois la dent extraite et après cicatrisation, vous avez trois possibilités. La première consiste à avoir un bridge en céramique collé. La deuxième, à avoir un implant en zircone. Presque tous les dentistes recommandent les implants en titane. Mais cette solution est aussi mauvaise qu'une dévitalisation. Alors demandez et exigez un implant en zircone. Et la troisième option, c'est tout simplement un dentier. L'action de cette vidéo est de prendre rendez-vous chez un dentiste holistique en lui demandant au téléphone votre demande. Parlez-lui des dents dévitalisées et du lien avec les organes, s'ils font le traitement et le nettoyage avec de l'ozone, ce qu'il en pense, afin de vous faire une idée de comment travaille le dentiste holistique. Tapez ensuite « dentiste holistique » suivi de votre ville sur le net pour en trouver un, ou dans une grande ville proche de chez vous. C'est possible que vous soyez obligé de faire plusieurs centaines de kilomètres pour en trouver un, car on n'en trouve pas partout. Vous allez retrouver également un documentaire complet sur le sujet juste en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le sujet, je vous invite à le regarder car il est vraiment excellent.